envoient généralement des t-shirts, des casquettes, des chemises et des polos marqués d'écrits ou des logos. Le moyen par lequel ces écrits ou logos sont imprimés sur ces supports constitue un art que nous présente ici Alaska Décor et Doudoumpia. La sérigraphie, c'est l'art d'imprimer sur tout support. La sérigraphie, c'est ce qu'on appelle, ça veut dire que c'est l'impression sur un support qui est visible. Dans ce procédé d'impression qu'est la sérigraphie, il y a des opérations relatives à la conception de la maquette, à l'insolation et actuellement à la sublimation. La première, on réalise les maquettes. Avant de passer à l'impression, nous pressionnons d'abord par la maquette. Nous avons notre technicienne qui s'en charge. Parce que moi, je suis imprimeur, je suis le sérigraphe. Donc nous avons la technicienne qui fait la conception des maquettes. Tout ça se fait à l'ordinateur. L'ordinateur fait la conception et puis on imprime sur le papier calque. Donc nous concevons à l'ordinateur et puis l'ordinateur imprime sur calque, sur papier calque. Donc ça c'est le papier calque. Ça c'est une maquette qui est déjà faite. Et après cette opération, il y a une opération qu'on appelle l'insolation. Nous passons à l'insolation. Donc l'insolation nous sert à transmettre l'image ici là. Ça c'est le cliché. Donc tel que vous voyez là, ça c'est la photo là. Et nous avons transmis, filmé l'image. Ça y est là. Et après cette opération là, en ce moment nous passons à l'impression. Donc ça c'est la dernière étape. L'impression. On retiendra donc que la sérigraphie est un procédé d'impression sur des supports tels les t-shirts, les chemises et les casquettes.